Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, chers amis, par Marie et par la voix de tous les organisateurs, je vous remercie d'avoir consacré de votre temps pour venir vous intéresser à un ouvrage ou à une personne. Cette personne, ce n'est pas moi, mais c'est la personne de Marie dans notre société. Merci vraiment, et que par l'intercession de Marie, Dieu vous comble abondamment tous et chacun. Vous voyez, moi-même, je dois reconnaître que je suis surpris de tout l'intérêt qui est accordé à cette œuvre. Cela démontre combien plus Marie est présente dans nos sociétés. Qui pour l'accueillir, qui pour en demander, mais c'est qui celle-là? Qui pour dire qu'elle n'a pas de place à avoir? Mais elle devient quand même un sujet, je ne dirais pas un problème, mais une problématique que nous avons tous, catholiques, chrétiens ou non, à régler dans l'ordinaire de notre temps. Bon, un autre ouvrage apparaîtra, je ne sais quand. Quand je dis dans l'ordinaire de notre temps, ce n'est pas seulement au niveau spirituel, c'est au niveau ordinaire, social. Ici, la pensée, en gros, est beaucoup plus spirituelle, c'est-à-dire théologique. Mais ne manque pas de revoir Marie comme modèle pour notre vie sociale, notre vie conjugale. Cet ouvrage, au début, pour dire vrai, c'était au cours de l'année de la foi en 2013, décrété par le pape Benoît XVI. Et moi, jeune prêtre, 5 ans de sacerdoce, j'ai bien voulu témoigner de ma foi, un peu comme on peut dire, je m'arrête, je fais un bilan. Je suis chrétien, baptisé depuis que j'étais bébé. J'ai été nourri de ma foi par mes parents et plus par la suite, par tous ceux que j'ai rencontrés. Mais il est bien que je possède maintenant ma foi, surtout que je suis prêtre et que je suis appelé à témoigner de ma foi, pour que ma foi ne soit pas une répétition de ce que j'aurais entendu, qui serait juste, mais que ça sorte du fond de mon cœur, du fond de mon ventre. Et j'ai pris plusieurs domaines de notre foi. Vous savez, dans l'Église catholique, l'étude de notre foi, ce n'est pas seulement ce que vous entendez ordinaire, c'est tout un travail qui se fait. Il y a l'ecclésiologie qui concerne l'Église, christologie qui concerne le Christ, et mariologie, c'est dans l'ecclésiologie, mais ça concerne la Vierge Marie, c'est l'étude du mystère marial. Il y a la Bible, la théologie biblique, en même temps il y a l'exégèse, tout ça, ça concerne la Bible. Il y a la pneumatologie qui concerne l'Esprit Saint et qui est différent encore de la théologie spirituelle. Il y a la théologie sacramentaire et que sais-je encore? Que sais-je encore? Il y a la géographie, il y a la patristique qui est différente encore de la patrologie. Donc il y a plusieurs domaines et chaque domaine peut occuper toute une vie. Vous pouvez faire l'étude toute une vie. Quand nous faisons le grand séminaire, nous faisons 7 ans au grand séminaire, nous voyons pratiquement tout cela. Mais c'est comme des brides, malgré la rigueur et la richesse de ce que nous avons. Après être devenu prêtre, on envoie l'un pour l'étude biblique, la théologie biblique, et l'autre pour l'exégèse, théologie biblique différente de l'exégèse. L'exégèse, c'est une sorte d'étude de la Bible, des origines de la Bible. Un autre pour l'ecclésiologie, un autre pour la dogmatique, un autre pour la christologie, un autre pour la théologie systématique. Donc les domaines sont tellement variés. Donc quand dans l'ordinaire nous parlons de l'Église catholique et de la foi catholique, nous ne savons toujours pas ce que nous disons parce que c'est très riche et c'est très abondant, très abondant. Ce n'est pas dans un discours qu'on l'offre. Et donc, personnellement, j'avais voulu dans ce domaine-là quand même écrire juste quelque chose pour voir, en m'occupant des documents, mais comme une confession de foi personnelle. Quand j'ai commencé, j'en étais là quand mon frère est venu. Le livre, c'est « Je suis co-auteur ». Guillaume Oussoukicho. Mon frère, c'est Jean Oussoukicho. Lui aussi, il est prêtre. Quand il est venu, il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ne me perturbe pas. Deuxième jour, troisième jour, il voit que je suis tellement concentré. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fini par lui expliquer.
Il rentre dans sa chambre, il revient, il dit, ce que tu fais là, c'est très intéressant. Occupe-toi de l'éclésiologie, je m'occupe de la mariologie. Après, il m'appelle, il dit, mariologie est trop riche. Ça regroupe tout. C'est-à-dire, l'étude de Marie est comme un carrefour auquel toutes les autres disciplines convergent. Ce que je dis là, je ne dénie pas au Christ d'être le seul médiateur, d'être la personne qui nous ouvre à tous les horizons. Mais la démarche qui est là montre quand même que toutes les études viennent. Bon, je n'aurai pas à le démontrer ici. Et que c'est en fait Marie qui est question, qui est problématique chez la plupart des gens. Et là, nous avons changé de méthode. On ne va plus rester dans nos chambres ou dans nos bureaux pour nous poser des questions sur Marie. Nous sommes sortis. Quand nous vous voyons, on parle avec toi, mais tu ne sais pas que nous sommes en train de prendre ce qui est question ou ce qui est assurance chez toi par rapport à la Vierge Marie. Ce qui est question, nous la prenons, nous allons répondre. Ce qui est assurance chez toi, est-ce que c'est vraiment ça? Donc nous nous sommes mis habilement à faire des enquêtes et à poser des questions autour de nous. Le monde catholique, le monde non catholique, le monde étudiant, le monde non étudiant. Et c'est là, en ayant rassemblé les questions, nous avons dit, mais en fait, Marie est présente. Il n'y a pas cette personne à qui vous allez demander, écoutez-moi bien, connais-tu la Vierge Marie, qui ne va pas te dire quelque chose. Je n'en ai pas rencontré. Que ce soit à Abidjan, où on était, ou que ce soit au Bénin, où j'allais, c'est les deux pays. Et je pense que, connais-tu la Vierge Marie? Ou tu poses une question, il dira toujours quelque chose. Il dira quelque chose. Ça veut dire, que nous le veuillons ou non, cette dame ou ce mystère est présent dans notre conscient ou dans notre inconscient. Mais pourquoi ne pas en faire une étude vraie? Je nous rappelle qu'avant ça, moi j'avais déjà choisi pour ma soutenance de Master 2, une étude sur Marie. Si je vous donne le thème, vous allez un peu rire, parce que ça paraissait bizarre. Mais c'est dans les recherches que j'ai compris que ce que je dis là n'est pas si dingue. Et donc, Marie est présente pratiquement partout. Mais il faut qu'on se comprenne pourquoi. Et donc, quand on a fini de poser des questions, nous nous sommes dit, nous n'irons pas dans tous les sens. Au moins, sur la doctrine mariale, ce qu'en pense l'Église et toute l'historicité de la vie officielle de Marie, si je dois ainsi parler. Quand elle dit vie officielle, je ne sais pas quand elle a vécu, en son corps, en son âme seulement. Mais elle vit toujours chez les peuples. Qu'est-ce qu'en dit l'Église dans son histoire? Comment l'Église l'accueille aujourd'hui? Comment l'Église la présente aux autres cultures et aux autres religions? Il y a d'autres cultures aussi qui la présentent autrement. Hein. Je parle des musulmans. Et donc, en prenant cette question, nous avons établi, nous avons dépassé les 100 questions largement. Mais nous nous sommes dit que ces 100 questions, on veut faire. Et pour y être de la consistance, on a regroupé les questions. Des fois, dans le traitement, il y a des questions qu'on a regroupées, qu'on est obligé de fractionner. Et on était parti même juste à 120 questions. On a fini de traiter 120 questions, on s'est dit non, sans pas de logique, ramenons à 100 questions. Dans les bibliothèques, nous avons remarqué qu'il y en avait qui avaient déjà fait 10 questions sur la Vierge Marie, 16 questions. Je pense que le plus grand qu'on ait trouvé dans notre recherche, dans la revue et bibliographique, c'était 16 questions sur la Vierge Marie, ou 20 et quelques, pas plus. Ayant eu les 100 questions, nous pensions écrire de demi-pages, juste de petites choses, pour que le livre soit petit. Mais la passion nous a aidés. On écrivait des longs, parce qu'il y en a. J'ai dit, mais en fait, c'est toute une richesse que nous n'avons pas encore fini de sculpter, ni pour notre vie personnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit conjugale, ni pour notre vie sociale. Qu'elle soit politique ou qu'elle soit économique. Alors,
Non seulement nous avons traité les questions et ça faisait trop gros, mais nous nous sommes mis maintenant à résumer tout ce que nous avons fait. Et nous avons été obligés de ramener des questions, deux questions qui deviennent une, pour rester à 100 questions. Nous nous sommes donné 2 mois pour finir ce travail, mais nous avons fait 1 an sans être satisfaits de ce que nous avons fait. Si je vous dis aujourd'hui nous étions satisfaits, c'est faux. C'est parce qu'en fin de compte, c'est moi qui ai fait pression. J'ai dit, mon frère Jean, on ne fera rien de parfait, même si on fait 10 ans. Sortons, publions. Quand ce sera acheté ou qu'on sera en train de critiquer ou on prend les critiques, on pourra améliorer. Lui, il était un peu perfectionniste. Arrivé quelque part, je le confesse, je l'ai laissé. J'ai été en vacances en Europe. Il est resté seul devant et il a été obligé de conclure et de faire sortir. Donc ce n'est pas que nous sommes totalement satisfaits en disant « nous avons tout fait ». Non, c'est une soif qui est là. Et depuis ce temps, c'est vrai, la pastorale, nous deux, après 1 année, nous sommes devenus curés. Ce n'est pas facile être curé et continuer toujours dans les études de façon profonde. Mais moi, depuis pratiquement 1 ou 2 ans, j'ai repris. Et c'est parce que j'ai repris que je me suis dit, il faut que j'avance parce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, ma soutenance de master sur la Vierge Marie. Et donc, j'irai à la thèse, si Dieu le permet, si mon évêque le veut, sur la Vierge Marie, quel que soit Alpha. Parce que c'est un domaine que nous ignorons, mais en fait, c'est un domaine très vaste pour le bonheur de tous et pour chacun. Je dis même, les catholiques ne savent même pas jusqu'à quel point la Vierge Marie est une richesse pour eux-mêmes. Donc c'est inutile cette bataille entre catholiques et protestants, évangéliques. Je ne sais même pas si les musulmans rentrent dans cette bataille-là. Vous comprenez maintenant? Et donc ici, de façon méthodique, c'est vrai que j'ai 100 questions. Mais les questions ont tenu compte d'abord de la Vierge Marie, si je peux avancer, de la Vierge Marie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La Vierge Marie est apparue avec Jésus. Qu'est-ce qu'elle va trouver dans l'Ancien Testament? Mais je vous dis, c'est une présence, une anticipation, comme on dit, une préfiguration. Comme le Christ a été annoncé depuis l'Ancien Testament, il a toujours été annoncé en lien, comme je l'ai développé avant-hier, avec ce que je peux appeler le féminin. Le féminin. Et le féminin accompli, selon la foi chrétienne, c'est bien la Vierge Marie. Et c'est pour cela qu'il vient avec la Vierge Marie, par la Vierge Marie, chez nous. Et la Vierge Marie dans le Nouveau Testament ne s'occupe pas de parler de la Vierge Marie. Le Nouveau Testament s'occupe de témoigner de la vie du Christ. Mais les écrivains, les évangélistes n'ont pas pu s'empêcher de jeter quelques regards sur la Vierge Marie, mais c'est pour mieux parler du Christ. Et c'est ce regard marial qu'ils ont jeté que nous analysons. Et nous allons voir qu'une façon de penser le Christ donne une façon de penser Marie. Saint Paul, lui, n'en parlera pas du tout. D'ailleurs, il est le premier. Souvent, parmi les écrits, ses écrits ont dévancé, même les écrits des 4 évangélistes. Mais quelque part, il fera allusion en disant « né d'une femme » en Galates 4, je crois. L'Apocalypse parlera de l'Église, l'Église en difficulté, en souffrance. Mais la conscience populaire va comprendre que l'Apocalypse parle de la Vierge Marie. Et elle n'aura pas tort. Elle n'aura pas tort. Il y a aussi les lettres de Saint Jean. Maintenant, la Vierge Marie, dans les premiers siècles de l'Église, nous découvrons que toute la foi mariale que nous avons aujourd'hui, que l'Église a définie comme obligatoire pour les chrétiens, en fait se vivait déjà dès les premiers siècles de l'Église. Mais l'Église, dans son institution officielle, ne faisait pas cas, ne pensait pas qu'elle avait quelque chose à voir avec la Vierge. Le problème, la passion, c'est le Christ et le Christ seul, le seul médiateur, le seul rédempteur. Et il fallait découvrir dans l'intelligence de la foi ce que ça peut être ce Christ, la Fils de Dieu, descendu pour nous, dont l'Évangile en parle, né sans l'apport d'un homme, mais né d'une Vierge à qui Dieu a envoyé son ange.
Il faut bien comprendre s'il était vrai homme et vrai Dieu. Les conciles se sont succédés. Un concile, c'est tout un rassemblement d'églises dans une situation donnée. Bon, on dira dans une situation de crise, mais c'est aussi dans une situation de voir comment l'Église pourra s'exprimer, exprimer sa foi dans le monde de son temps. Quand les uns disent « le Christ n'est pas vrai homme, il est Dieu, il a fait semblant d'être homme », non, le Christ n'est pas vrai Dieu, c'est un homme, c'est une créature supérieure, mais c'est des crises qui ont existé dans l'Église que vous dites catholique et qui ont été débattues. Et les débats, ce n'est pas un débat d'un mois, d'un an. C'est des choses qui durent des fois des siècles. Donc, en voulant retrouver la place et la personne, l'identité du Christ, l'Église finit par retourner vers la Vierge Marie, vers laquelle la plupart des chrétiens couraient comme aujourd'hui. Cette dame-là, de tout temps, depuis qu'elle a existé, et que les chrétiens ont commencé par dire « je suis chrétien », même les non-chrétiens, a toujours eu un pèlerinage, une ferveur de dévotion. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, on va penser autrement, dire non. C'est comme ça l'Église a commencé par faire un recours pour dire, mais en fait, celle-là, c'est un don. Les gens avaient déjà la dévotion mariale comme la très sainte, la pure, ce qui va engendrer après l'Immaculée Conception que l'Église va dire après au 19e siècle ici, en 1860 ou 1864, si ma mémoire est bonne. Écoutez, pour être chrétien, il faut croire en l'Immaculée Conception. Sinon, jusque-là, c'était laissé au libre choix de chaque fidèle. Tu y crois ou tu n'y crois pas, ce n'est pas ça le problème. L'essentiel, c'est que tu crois que le Christ est sauveur du monde, l'envoyé du Père. Vous comprenez? Or, la maternité de la Vierge Marie a été définie déjà depuis le 400, donc disons le 5e siècle, si ma mémoire m'est bonne. 5e siècle et 19e siècle, vous voyez la distance. Mais depuis ce 5e siècle-là, les gens allaient déjà, je vais chez la toute pure, je vais chez la sainte, je vais prier la Vierge Marie. Les gens recevaient des grâces sans attendre l'officialité de l'Église. L'officialité de l'Église, c'est quoi? C'est les prêtres, c'est les évêques qui se réunissent, les cardinaux, avec quelques experts pour définir ce que nous appelons dogme, ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Mais c'est après des expériences, ce n'est pas des choses où on se lève du jour au lendemain pour dire, c'est pour cela, excusez-moi, quand des gens se lèvent du jour au lendemain et prennent la Bible, disent quelque chose, je dis, mais il faut qu'ils lisent. C'est vrai que c'est abondant, les écrits de l'Église, très abondant. Rien qu'une seule bibliothèque, même il doit en avoir à Dakar, ici, il y a une université, non? Université catholique. Bon, si ce n'est pas les sciences profanes, si c'est les sciences religieuses, vous voyez la Bible, vous vous demandez, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? Prenez même sur Google, vous allez voir des documents. Tout ça, c'est à lire. Il ne suffit pas de prendre la Bible pour dire, j'ai lu ceci, j'ai fait ceci. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Et même cette Bible-là, c'est toute une documentation pour comprendre ce qu'est la Bible. Donc, il faut féliciter le travail des intellectuels. C'est pour que nous ne nous avancions pas dans l'euphorie commune pour aller nous perdre, que tout le travail intellectuel est fait. Et pour mieux comprendre le lien entre la foi et la raison, il faut lire « Foi, fides et ratio » du pape Jean-Paul II. « Fides et ratio » du pape Jean-Paul II. Et donc, l'Église a fini par définir des choses. Même la virginité perpétuelle, Saint-Augustin même est passé un peu à côté. Je dis Saint-Augustin, le grand Saint-Augustin. L'Assomption de la Vierge Marie. Donc, dans l'histoire, il y a eu les quatre dogmes. Maternité divine vers le 5e siècle, 4e, 5e siècle. Virginité perpétuelle vers 7e, 9e siècle. Immaculée Conception au 19e siècle, tout proche ici. Et l'Assomption au 20e siècle, en 1950. C'est les quatre dogmes sur la Vierge Marie. C'est-à-dire, tu es chrétien catholique, tu dois croire que la Vierge est mère de Dieu, qu'elle est perpétuellement vierge, qu'elle est Immaculée Conception, c'est-à-dire, dès sa conception, elle n'a pas eu connu de péché, et qu'elle est au ciel en son corps et en son âme. L'historique de ces quatre dogmes, c'est dedans. Quel est l'ancrage biblique?
la source biblique, comment comprendre ce dogme-là à partir de la Bible, c'est dedans, dans le livre. Devons-nous espérer un cinquième dogme, c'est dedans. En parlant du cinquième dogme, c'est parce qu'actuellement, il y a un mouvement qui parle de co-rédemption de la Vierge Marie. Si le Christ est le seul rédempteur, que comprendre par Marie co-rédemptrice? Le pape y a répondu dernièrement, le pape François, si on a suivi un peu l'actualité. Que comprendre par là? Si le Christ est seul médiateur, l'unique médiateur, que comprendre par Marie médiatrice de toute grâce? C'est une expression que nous employons. Marie avocate, Marie auxiliatrice, c'est dedans. La Vierge Marie a-t-elle été morte et enterrée? La question expresse, c'est moi qui ai insisté ça, je peux le dire, pour qu'on mette cette question là-dedans. Parce que ce que la foi populaire croit, ce n'est pas ça, et ce n'est pas d'abord ça que l'Église dit. J'ai entendu un pasteur qui a passé tout son temps à faire des démonstrations, à dire des choses, mais il a dit, mais non, mon ami, viens, on va lire ensemble. Tu comprendras que ce que tu dis de l'Église catholique, là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et donc, il y a ça. Il y a quoi encore? Le pape Jean-Paul II emploie l'expression « Marie, femme eucharistique ». Comment comprendre la relation de Marie avec l'Eucharistie? C'est-à-dire la célébration de la Sainte Messe. Quelle est la valeur des pèlerinages mariales que nous faisons? L'historique du rosaire. Comment a été composée l'Ave Maria? Comment se fait-il que la récitation, la prière du rosaire est si efficace dans l'exorcisme? Comment aujourd'hui la femme contemporaine peut trouver en Marie son modèle? Parce qu'on parle de l'égalité de l'homme et de la femme. Autant de questions. C'est des questions-réponses. Comme je l'ai dit au départ, je ne dis pas que le livre est parfait. Et moi-même, à force de donner des conférences quand vous m'invitez et de travailler, je vois déjà qu'il faut que j'écrive encore, que nous allions encore à l'écriture de certaines choses pour compléter. Mais ça déblaye un grand terrain pour ceux qui veulent comprendre et parler de la Vierge Marie aux autres. C'est comme une petite, j'aime dire, c'est une petite encyclopédie, mais ça n'empêche pas qu'une nouvelle encyclopédie sorte. C'est un jet, peut-être un autre le fera, une fois ou l'autre, un autre le fera, pour que quelque chose de vrai sorte, pour que tous ceux qui doivent parler de Marie aillent lire. Voilà les amis, comme synthèse, ce que je pourrais nous dire sur l'élan qui nous a porté à écrire ce livre. Ce livre aimé pas beaucoup. C'est déjà... Je peux le dire, c'est déjà vendu à plus de 5000 exemplaires. Alors, entre-temps, pendant 4 ans, on ne s'en est pas soucié. Et on me demande d'écrire, de refaire ceci, mais je suis curé, je ne peux pas. Pour faire le travail intellectuel, il faut savoir s'asseoir. Comme le dit un professeur, Ibo Goa, paix à son âme, il dit l'intelligence, ce n'est pas dans la tête, c'est dans les fesses. Donc, quand vous ne reposez pas les fesses, vous ne pouvez pas réfléchir.